Mais non. Tu me connais? Bah ouais. Mes vidéos. Bah attends, tu dois faire quoi là? Bah rien. En fait là je devais tester le 0 à 100. J'enlève. Ça va, c'est mignon, hein. J'espère que vous allez bien les potos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être très simple. J'ai envie de partager ça avec vous. En gros, j'ai été chercher un petit bolide d'un pote à moi qui la vend. J'hésite à l'acheter et du coup, aujourd'hui, bah, je voulais vous partager cette vidéo, que vous me dites votre avis en commentaire. Et tout simplement, on va l'essayer, je vais vous la présenter. C'est l'RS3 de 400 chevaux. Et il y a 80% de chances que je tape un poteau, mais ça, c'est à mon pote. Du coup, entre potes, on peut tous s'arranger. Et si en commentaire vous me dites non, achète-la pas, c'est de la couille, et ben je vous écouterai, je l'achèterai pas. Oh là, c'est vous qui avez le dernier mot. Bon, les potos, on est à bord de la voiture et c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça avec une installation professionnelle. Du coup, là, on va aller faire un petit tour, on va l'essayer. Et dans la prochaine vidéo, si vous êtes chaud, si vous kiffez les voitures, et ben vous mettez un petit commentaire sur Instagram. Et si vous habitez pas loin du Nord-Pas-de-Calais, je viens vous chercher avec. Si je ne l'ai pas acheté, je la reprendrai à mon pote. Et si je l'ai acheté, bah, ça sera à moi et je vous la laisserai même la conduire. Il n'y a pas de problème. Bref, les potos, c'est parti. Je suis en train de suer comme un chien. Donc si là, j'ai du liquide, c'est juste s'il fait du soleil. Allez, c'est parti. Croisons les deux. Merde, il y a l'écran. Merde. Eh, vous me voyez encore? Désolé. Attends. Ouais. Je vais essayer de me poser dans un coin où c'est mieux. Et on va faire des drifts. Ouais. J'ai envie de vous montrer mes capacités en voiture. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos en voiture, mais moi je ne vous ai pas encore montré. Bon, déjà ça se conduit super facilement. Faut juste que je fasse pas d'accident. Parce que moi je suis un mongol. Moi je suis un peu le genre de mec. Je suis un peu le genre de mec qui fait des accidents pour air, tu vois. Je suis comme un chien, il y a plein de monde en plus ici. Je sais pas si vous connaissez, je suis à Auchan-Fache, donc il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de monde. Hey, je sais qui. Ça va? Nous yeux? Mais non. Tu me connais? Bah ouais. Les vidéos? Mais t'es celui qui fait des vidéos sur YouTube? Ouais, ça dépend de temps en temps. Mais j'ai fait des grosses pauses, mais t'es d'ici? Bah ouais. T'es de où? Bah de la matinée. Ah ouais. Je suis choquée. Ah ouais, mais si je bouge la caméra, après le problème c'est que je sais plus la remettre. Bah attends, tu dois faire quoi là? Bah rien. Tu veux faire un tour? Ouais. En fait là je suis en vidéo et je voulais présenter la voiture. Du coup si t'aimes, bah viens si tu veux. Bah vas-y. Tu me fais pas. Bon les potos, c'est de l'imprévu total. Tu t'appelles comment? Hein? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Faustine. Bah, enchanté, je te serre la pince. T'inquiète, ça va pas vite, ça. Attends, je m'attache. Mais en fait, t'as personne qui t'attend au magasin? Non. Parce que moi, je t'ai dit, monte, parce que je suis en vidéo. Non, et... non, non, y a rien. Pourquoi tu les connais, mes vidéos? Hein? Tu connais mes vidéos? Ouais. Bah, ça fait. Je suis choquée. Et on est là, avec 400 000 abonnés. Et du coup, je fais quoi ici? Mais j'habite juste derrière, moi. C'est ta voiture? Non, en gros, je suis en train de faire une vidéo là. Bah, du coup, il y a tous les abonnés qui sont là. Et en gros, je fais une vidéo. Et... Mais c'est un petit truc, tu vois. C'est une petite voiture. Elle est belle, hein, t'aimes bien? Et en gros, je fais une vidéo pour demander si, genre, ils sont chauds que je l'achète et tout. Mmh. Pour leur présenter tout ça. Tu connais, du coup. Ouais. Tu connais vraiment bien mes vidéos? Ouais. J'ai une question. J'en profite, du coup. Nique ça. C'est avec qui je fais le plus de vidéos? Avec la 2003 ou ma soeur? Mais c'est ta soeur. Ouais. Oh, sa mère! Wesh, ça va? Mais je suis désolé. Ça va? En fait, tout va bien. Wesh, non, mais de toute façon, si tu connais mes vidéos, tu sais très bien qu'il y a tout à la Walligan. Tu sais très bien. Non, t'inquiète, je vais te remettre devant la porte à où je t'ai prise. Du coup, t'as dit que c'était pas ta voiture? Non, c'est pas encore la mienne. Bah, du coup. Eh hey mec, hey, je suis désolé. Ah ouais, ça me... Il y en a beaucoup. Ouais, j'ai un autre. Oh, ça me... Les popcorn, ça te dérange si on les jette? Ouais, je... Ça va? Attends, viens. Ça craque dans mon...
Attends, on va les jeter tes trucs de merde. Eh hey, mais quand t'as toqué à ma fenêtre, fallait me le dire, t'avais des pop-corn. Tu vois pourquoi? Eh, hey, vous voyez pourquoi j'ai jamais d'abonnés? Mais j'ai pas vu, moi. Tu me dis, ouais, tu fais des vidéos. Je me suis dit, ça y est, on va rigoler. Bah viens, on va acheter vite des trucs dehors. Putain, m'a saccagé la bagnole. Je dois la rendre demain. Putain. Eh, le pire, c'est que je suis avec des voitures de merde toute l'année et je tombe sur toi avec des grosses voitures et j'ai des pop-corn partout. Eh, c'était pas prévu dans ma vidéo. Là, t'es en train de niquer mon contenu. Hein. Putain. Aïe. Attends, hein, j'enlève. Aïe. Putain. Mais ça, c'est qu'un détail. Ah ouais? Ouais. C'est quoi le deuxième détail avec toi? Mais t'imagines, j'ai 400 000 abonnés, les 400 000, dès que je les vois, ils me font ça. C'est quoi le prochain? C'est du coca? Eh, bonne idée. Ouais. Je reviendrai plus ici. Putain, j'étais gentil, je me dis vas-y. Le pire, c'est quand je vais m'asseoir, ça va être tout grand. Bah viens, on va finir ma présentation et c'est tout. Et la prochaine fois, quand... au pire, tu me mettras un message sur Instagram quand t'es pas loin d'où je suis. Et comme ça, je viens pas. Bon, bah les potos, c'était de l'imprévu total. Tu me rattaches ou pas? De toute façon, tu connais bien la vidéo avec ma soeur. Mmh, tu sais bien que tout part en freestyle. T'aimes bien l'adrénaline? Ouais, ouais. Vraiment? Ouais, ouais. T'es prête à faire ça pour ma chaîne? Ouais, mais. Pour les abonnés? Ouais, tu fais pas n'importe quoi. Ouais, on est où là? Bah, je sais pas. Non, par contre, je te jure que je voulais pas te ramener dans un coin chelou. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, tu prends une abonnée comme ça sur un parking, tu l'emmènes dans des petits coins farfelus. Regarde, tu m'allumes l'écran là. Tu mets ton foulard. De loin, ça se voyait que j'étais dans une grosse voiture ou pas trop? Bah oui. Forcément. Du coup, tu m'as mis jeteau. Oh putain. Ouais, je m'excuse. Tu veux me galoche quoi? C'est la première fois de ma vie que je rencontre une abonnée et que ça part comme ça. Bon bah du coup elle drifte bien, ça va? Ouais, ça va, pas mal. Oh, j'étais où? Vas-y j'arrête, tu vas te faire mal après. Je veux pas que tu rentres chez toi et que t'as un mauvais souvenir de moi. Bon les potos, on va continuer la présentation parce que je voulais leur faire un 0 à 100 et j'ai pas pu avec toi. T'es arrivé dans ma journée comme la vitesse de la voiture. Tu sais que je suis partout avec tes pop-corn que tu m'as fait nettoyer. J'ai chaud. Hey, je passe devant Auchan, je me dis ça y est, il y a du monde, mais il y a Faustine. Mais t'allais où là? Du coup, tu rentrais chez toi? Parce que c'est loin quand même de la Madeleine. Bah non, on venait me chercher. Ah, et il vient toujours te chercher. Bah, elle veut dire qu'il passe un peu plus tard du coup. Ça va? Tu sais que j'ai envie. Hey, de hey, je sais, on se connaît pas, mais comme tu connais mes vidéos, je me dis. Ah ouais? Bon, pas à l'hôpital si tu veux. Hey, tu m'as mis du grand partout dans ma bagnole, putain. C'est pas ta voiture. Wesh, là. Ouais, c'est pas marrant ça. C'est peut-être la mienne, wesh. Oh, hey, mon pote, il va voir la vidéo, il va péter. Ah, on lui expliquera, on lui garde mes doigts. Mon pote, il arrive quand te chercher? Je crois qu'il est là, mais je vais lui dire d'attendre. Tu t'en bats les couilles? Ouais. C'est toi la patronne? Ouais. Bon allez, je vais montrer la voiture. T'as aimé? Ouais. Est-ce qu'elle m'irait bien? Ouais. Ouais. J'ai chaud, j'enlève ça par contre. Ouais bah déshabille-toi pas trop maintenant. Non. Parce qu'après si tu te déshabilles, ils vont dire que je drague les abonnés. Ah ouais bah. C'est pas le but hein. Hey, tu peux témoigner. Tu sais très bien, j'ai pas fait. Bon les potos, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Non. Bref les potos, et ben dites-moi en commentaire si cette voiture m'irait bien. Je vais vous montrer quand même un peu les petits détails, même si je suis pas du tout l'expert et que vous avez déjà des chaînes ou voir tout ça. Mais on va montrer un peu. Hein. Du coup, les jantes, c'est ça. Là, il y a écrit RS3. Là, il y a un pot. Ça, c'est trop stylé, ça. Je kiffe. Ah ouais, ouais. Bah, je fais un exposé. Il y a là, bah, du coup, là, il y a de la graisse partout. Hein. Là-bas, il y a des pop. Là-bas, il y a des pop-corn. Là-bas aussi. Ça, faut pas le juger, hein. Elle va la laver après. Ouais. T'as le temps d'aller la laver ou tu dois te barrer? Non, je dois me barrer. Elle m'a mis jeteau de 3 points. Elle m'a baisé.
Et du coup, bah, l'interface est comme ça. Eh, mais en fait, elle se fout de ma gueule, elle kiffe. Non, mais en vrai, ça fait super plaisir. Franchement, c'est pour ça que je lui ai proposé directement, vas-y, viens, parce que je savais que j'étais en pleine vidéo. Et que, bah, même vous, hein, si vous me voyez et que je suis dans une voiture, même une cacahuète, hein, même en Twingo, on fera un tour, c'est toujours marrant. Du coup, les potos, eh ben, dites-moi si cette voiture m'irait bien, si je l'achète ou pas. J'hésite entre la 45 et celle-là. Après, celle-là, c'est vrai qu'elle coûte quand même un billet. Je suis pas un milliardaire. Eh, t'aimerais bien tourner d'autres vidéos? Ouais. Sérieux? Ouais. Non, mais je vois que t'as un délire, tu kiffes. Moi, j'ai une autre idée. S'il y a 10 000 j'aime sur la vidéo, je te laisse la conduire dans une prochaine vidéo. Vas-y. Je viens te chercher chez toi, tu m'envoies l'adresse. Vas-y. C'est bon? Ouais. T'es chaude? Ouais. Ouais, ça se voit, mais sans popcorn. Bon, les potos, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Bon, c'est de l'imprévu total, hein, je vous jure. Et même moi, je suis choqué. Genre, en vrai, c'est stylé, tu vois, ça me fait grave plaisir. En plus, là, j'allais lancer une nouvelle série sur ma chaîne où j'allais vous ramener des cadeaux chez vous et tout. Bah, du coup, là, ça commence bien, en fait. Et le hasard fait très bien les choses. Parce que franchement, dites-moi en commentaire, s'il y a plus de 10 000 j'aime sur la vidéo, je vous promets, je la réinvite. Normalement, elle va me mettre un DM sur Instagram. Infocine, si tu regardes cette vidéo, mets-moi un DM, comme ça au moins je te retrouve. Et si vous aimez bien son délire et tout, moi je pense qu'on peut faire des trucs encore plus ouf, ça peut être grave marrant. Et du coup, les potos, dans pas longtemps, je prévois un cache-cache géant dans un château et je vais inviter 5 abonnés. Donc ça, je vous parlerai sur Instagram en temps voulu, tout ça. Donc si jamais vous voulez la revoir, et ben, vous savez ce qu'il faut faire. Et mais moi, franchement, elle est super gentille. Et si tu regardes cette vidéo, franchement, et merci pour ta bonne humeur parce que je te jure, tu m'as fait kiffer. On a grave bien rigolé. Ça fait plaisir. Bon, bah du coup, je vais aller laver la voiture parce qu'elle m'a niqué. Eh, elle m'a niqué ma bagnole. Il y a des... Bon, dites-moi aussi en commentaire si je l'achète ou pas. Si vous me verrez mieux dans d'autres voitures. Et nous, les potos, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Eh, on peut dire j'ai réalisé son rêve quand même. Parce que elle a kiffé, hein. La vérité, elle me l'a dit, elle a kiffé à mort. Elle m'a dit, ouais, j'adore et tout. J'ai réalisé le rêve d'une abonnée.